Ils disent qu'ils veulent faire la diff, mais ils font tous la même chose. Le même flow sur tous les beats. J'en préfère une overdose. Ils m'ont saoulé. L'amour a sens unique, que ça fait plus de mal que ça ne réunit les gens. Ouais, le gars, jamais il fera d'effort, quoi. Vas-y, je vais appeler Étienne. Lui au moins il bouge. Emmanuel, viens voir s'il te plaît. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, des trucs de maquillage là encore. Regarde ton téléphone. Regarde ton téléphone. Quoi? C'est qui, Malika? C'est une pote. C'est une pote? Moi? Tu fous de moi ou quoi? Comment ça, je me fous de toi? Je te elle sort d'où, cette Malika, là? Ouais, est-ce que moi, je connais tous tes potes? Bien sûr. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu connais tous mes potes, Emmanuel. Commence pas à raconter des bêtises, là. Je te dis que c'est une pote. Eh ben, rappelle-la, alors. Elle t'a appelé, ça doit être important. Ah mais c'est bon, je suis avec ma chérie, j'ai non, pas besoin non, de... Non, arrête là, tu veux que je la rappelle, moi je vais la rappeler. Mais qu'est-ce que... Nadia, pourquoi tu touches mon téléphone? Je t'ai dit que c'est une pote. N'importe quoi, arrête de te foutre de ma gueule là. C'est une conne cette fille là. Tu te calmes, hein, tranquille, on est bien. Non, arrête. Ah, arrête, ça va pas ou quoi? Non mais... Non. Attends. Mais pourquoi tu parles dans des... Putain, tu deviens folle ou quoi? Quoi? Non mais t'arrêtes. Mais tu deviens folle. Mais putain, mais arrête, tu deviens folle. Wow, c'est bon, tu m'as saoulé là. Ouais, pousse-toi là, tu prends la tête là, vas-y, je me casse. Quoi? J'ai croisé Rebecca. Tu sais, la pote à Scott là. Et j'étais là, tu vois, j'étais près de l'épicerie. Je la croise et la meuf elle m'a dévisagé, mais genre trop mal. Tu sais, genre regarde de haut en bas là. Sérieux, elle s'est pris pour qui? Ça m'a énervé. De toute façon, c'est toujours pareil quand vous vous croisez toutes les deux. Hein. Ouais, mais je te promets que cette fois je l'ai trop mal regardée. Elle va s'en souvenir, la petite. C'est pas de ma faute si elle est amoureuse de Scott. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant d'amour, tu sais pas quoi? Non. Devine ce qu'il a fait encore, Emmanuel. Mais non. Bah si, me dis pas. Encore trompé, meuf. Oh, Lucas. J'en peux plus. Ça fait au moins 10 000 fois qu'il me trompe. Mais non, mais tu as fait quoi là? Tu l'as quitté? Bah ouais, mais attends, je l'aime, ça me fait mal au cœur, tu vois. Ouais, non, mais d'accord, Charline, t'es bien mignonne, mais tu l'aimes, mais au bout d'un moment, stop. Je sais. Il a pas le droit de te faire ça, gros. Une fois, d'accord. Deux fois, ok, mais au bout de la 10 000 fois, ça va quoi. Ouais, non, mais je sais bien, mais j'y peux. Enfin, c'est pas que j'ai. Si. Faut que je lui dise, c'est soit t'arrêtes, soit c'est... Tu lui as parlé déjà? Bah vite fait, mais faut qu'il vienne me voir, moi je ferai plus de pas vers lui. Bah franchement, tu devrais le quitter, c'est énorme là. Il fait trop le beau. Quitte-le une bonne fois pour toutes, et après tu vois, il va regretter, et là tu verras. Mais attends, tu vois. Ah, de toute façon, j'attends juste qu'il vienne, hein. Moi j'envoie plus de rien, j'envoie plus de messages, plus rien. Hey, du sens là derrière. Du sidder bare helt alene, mens du ser min vej. Jeg kan se, der er noget galt, se mig, hvad der sker. Giv mig dine tanker, du kan snakke med mig. For jeg er lige her. Salut. Salut. Ça va? Ouais. Tu sais qui je suis? Ouais, t'es Malik. Ouais, je suis le meilleur ami de Scott. Ouais, je sais. Du coup, je suis venu te parler justement par rapport à Scott. Et j'aimerais en fait que t'arrêtes de faire souffrir mon pote. En fait.
Quel genre de le faire souffrir. Ouais, arrête de jouer avec lui. Mais je joue pas avec lui, qu'est-ce que tu racontes? Il se retrouve tout le temps à tenter de voir, tout le temps il me dit ouais je dois aider Justine, après il se retrouve à être tout seul à faire ton boulot et son boulot en même temps. Tu le manipules. Je le manipule? Bah oui. Attends, en quoi je le manipule? Fais pas la meuf. Bah excuse, non, Scott c'est mon pote, on passe du temps ensemble et c'est pas tout. La meuf. Mais tu sais qu'il te kiffe. Ouais je le sais mais c'est pas de mais ma faute s'il me kiffe. Pourquoi tu joues là-dessus? Mais je joue pas là-dessus. Ouais mais dis-lui que c'est mort. Mais il le sait que c'est mort, ça se voit que c'est mort. Quand il parle de toi, je suis désolé. On aurait dit que ouais, tu... La dernière fois, il me dit quoi? Ouais, non, elle m'a dit qu'elle allait prendre du temps parce qu'elle sortait d'une relation, et là, là, là. Alors que tout le monde sait que c'est faux. Ouais, écoute, je pense que je suis assez grande pour faire ce que je veux et que t'es... Enfin, t'es mal placé pour venir me donner des conseils ou genre venir me critiquer. Je suis même pas en train de te donner un conseil ou de te critiquer, je te demande juste d'arrêter de faire souffrir mon pote, c'est bah, tout. Bah écoute, je pense que je vais faire ce que je veux et que... Ça sert à rien, en fait, ce que tu me dis. Bref, en tout cas, c'est quoi? J'ai même pas me prendre la tête avec toi, ouais. Hein. En fait, ce que je fais là, ça sert à rien. Ouais, concrètement, ouais. C'est quoi? Je vais pas me prendre la tête avec toi. Hein. Je voulais juste que tu saches ça. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Mais si du jour au lendemain, Scott, il te parle plus, faudra pas t'étonner. Ok. Bonne soirée. Kobe et Jordan. Jordan, et puis d'abord, c'est deux générations. Jordan est tellement au sommet comparé à Kobe. Ouais, Kobe, c'est un bon. Bébé, c'est un enfant comparé à. Non, c'est pas un enfant. Non, Kobe a grandi en apprenant le style de Jordan. Jordan. Arrête ça. Mon frère. Bien. Il reconnaît que c'est sérieux. C'est pas pareil. C'est quand même le grand Jordan, mec. Respect. Je ne refuse pas. Bah, tu écoutes. Laisse-moi Scott. Laisse-moi Scott. Regarde, moi j'arrive, je veux faire d'abord un truc là. Tu vas voir tout à l'heure. Je fais un tour là, j'arrive. Oh. Mais tu me fais quoi comme ça? Non, tu rien. J'arrive. Vas-y. Les gars, il ne sait plus ouvrir la porte. La femme. Qu'est-ce qui va pas? Bah non, mais je sais pas, mais tout à l'heure, tu sais, Malik, là, le pote de Scott. C'est du tout à l'heure? Ouais. Bah, il est venu un peu me prendre la tête et tout, et ça m'a un peu saoulé. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez, viens. Arrête! Tu n'étais pas là-bas? Si? Mais tu as dû dire quoi? Mais je n'ai rien dit, peut-être j'ai seulement dit la vérité. Quelle vérité? Qu'elle arrête de te manipuler? Scott, non, Malik, calme-toi. Scott, tu es mon frère. Non. Tu es mon frère. Tu dois te montrer partout, sauf si tu vois. Mec, cette meuf, c'est une merde. Je te dis ça. Crois-moi, je te dis. Merci! Merci. Ce que Malik fait, Malik fait, c'est parce qu'il t'aime, tu es son frère. Il peut pas, c'est que tu traînes avec une merde. Tu la connais même. Mais c'est comme, tu penses que je veux jouer en football, moi je n'aime pas les trucs. Non, il ne peut pas raconter des trucs comme ça. Tu parles à voix, tu dis des trucs. Attends, tu ne vois pas que tu manipules. Manipuler de quoi? Moi je suis pas d'accord. Non mais attends. Tu n'es pas content, la brune n'a qu'à bouger. Va-t'en. Oh, t'es pas de la vérité, tu veux pas bouger. Bouge. Espèce de mougou. En tout cas, c'est nous. J'espère que cette meuf va vraiment te faire sa durance. Scott il est trop gogol. Je le trouve vraiment gogol. Mais ouais, mais si je lui dis trop, après on va plus parler et je l'aime bien quand même, tu vois. Ouais, on va plus.